Le 6 février 2024, c'était la journée mondiale sans téléphone portable. Êtes-vous d'accord pour qu'une fois par an, on coupe son téléphone portable? D'une manière générale, pouvez-vous vivre sans votre téléphone portable? Enfin, quels sont, selon vous, les avantages d'un téléphone portable et quels en sont les inconvénients? Écoutez les réponses de quelques Parisiens à qui Mandarin TV a tendu le micro. Pourquoi pas, oui, mais encore faut-il savoir, je pense qu'il y a des sujets plus d'actualité, mais bon, pourquoi pas. Oui, je pense que ça serait bien, enfin je pense que c'est possible, en tout cas. Mais dans cette société, je pense pas que c'est... Ça serait compliqué. Je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça nous apprend aussi que les téléphones portables, c'est pas nécessaire à la vie, et qu'on peut vivre sans, et ça nous aussi, genre... Nous donne un peu envie de faire d'autres choses que rester sur nos téléphones. Bah oui, c'est une super idée, oui. De nos jours, on est beaucoup trop sur les téléphones, on voit beaucoup l'écran, même au travail. Donc de faire des coupures, d'être plus dans l'instant présent, de profiter de la nature, ça c'est des choses qu'on oublie souvent. Ça sera difficile, effectivement. Très difficile, parce qu'on a pris des habitudes. D'être effectivement proche et d'avoir des messages quotidiens, donc mais pourquoi pas, hein. Enfin, non, je dirais non, mais pendant une semaine, je pense que ça serait possible, ou pendant une courte durée de temps, je pense que ça serait possible, mais pas pendant toute ma vie. Une vie sans portable, je pense que dans notre société, ça va être peut-être compliqué, mais je pense que c'est possible et c'est pas non plus impossible que vivre sans téléphone, parce que les téléphones avant, enfin dans le Moyen-Âge, on n'avait pas de téléphone, ils vivaient parfaitement. Du coup, je pense que les téléphones, c'est pas nécessaire. Dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Après, s'il y a des gros changements de société, que tout le monde s'y met, pourquoi pas? Alors, le téléphone portable, maintenant qu'il est un micro-ordinateur, c'est d'être connecté. Moi, je pense pas que ça soit un problème de réflexion, c'est plus un problème d'immédiateté, mais ça, je pense que c'est pas lié au portable. Je pense que c'est plus global et que, bon, c'est pas forcément la bonne solution. Voilà, le téléphone mobile n'est qu'un aspect de l'immédiateté, c'est-à-dire il y a aussi les chaînes d'information en continu et d'autres choses, donc ce n'est qu'une partie. Donc pourquoi pas, mais il faudrait réfléchir dans un cadre un peu plus global que le simple portable. Les avantages sont la communication, la sociabilité, et je dirais peut-être un peu l'entre... que la communication et la sécurité. Et les inconvénients, ça serait... Je vois pas beaucoup d'inconvénients pour l'instant, parce que dans cette société c'est important. Sinon, je vois pas d'inconvénients. Les avantages d'un téléphone portable, ça peut être la communication rapide, les développements par exemple l'IA, l'intelligence artificielle. Mais les inconvénients, ça veut dire qu'une addiction, on peut rester trop, et la lumière bleue qui peut nous affecter les yeux et notre mental sautage. Dans les avantages, profiter d'Internet, donc tout le savoir de l'humanité dans notre poche, ça c'est cool. Profiter de discuter avec nos proches quand ils sont à distance. La géolocalisation aussi, c'est pratique. Les inconvénients, je dirais être déconnecté de l'instant présent. Peut-être aussi avoir des relations qui sont moins humaines, moins chaleureuses. Donc faut faire attention à tout ça. Reportage par Mandarin TV.